Cette voiture est une Alfa Romeo Giulia 2016, sortie tout droit de l'usine transalpine de Cassino. En la regardant très vite, on dira que la Giulia semble la copie de ses concurrents directs. En fait, pas du tout. Regardez bien. Regardez mieux. Afin de concrétiser son retour sur le plan commercial, Alfa Romeo a fait un pari audacieux, revenir à ses fondamentaux. La Giulia est armée de tous les atouts pour concurrencer les Allemandes, mais à sa façon. Bien sûr, dans un monde automobile global et moutonnier, la Giulia concède un poil de forme passe-partout, mais l'ensemble, lui, est 100% italien. Cerise sur le capot, la voiture est carrossée sportive dès l'entrée de gamme. Voilà une générosité toute italienne. La Giulia est belle et fait oublier ses devancières, les 155, 156, 159, qui paraissent si banales maintenant devant cette création. Franchement, elle est superbe d'où on la regarde. Dès les premiers tours de roue dans ce parking, la Giulia semble légère et agile. Pourtant, la voiture est imposante. 4,64 m de long, 1,86 m de large et un poids contenu de 1 tonne 445. Sa structure est majoritairement en acier. Or, ses portes, ses ailes, son capot sont en aluminium. Et il y a également une autre prouesse technique. L'arbre de transmission de la voiture est en carbone. Si vous envisagez l'acquisition de la version Quadrifoglio, vous aurez le droit à un capot, un pavillon, un coffre en carbone. Pour tout dire, la Giulia est un concentré d'allègement de poids et ses moteurs sont 100% en aluminium. Pour faire simple, il pèse 30 kg de moins que les blocs en fonte. Et le verdict est sans appel. Cette voiture est tout bonnement géniale à conduire. Et on en redemande. Sa direction est précise dans les trajectoires. Le train avant est ultra incisif. On enchaîne les virages comme à la parade. Pour autant, les ingénieurs d'Alfa Romeo n'ont pas sacrifié votre dos à la performance. La Giulia est confortable, qu'on la malmène ou pas. On en revient toujours à la même chose. Cette grande berline se conduit comme une petite voiture ou comme une grande voiture de sport. Et qui dit sport dit parfois propulsion. Contre toute attente, Alfa Romeo l'a réintroduite dans la Giulia. La dernière vraie propulsion d'Alfa était la 75, ce qui ne nous rajeunit pas. La Giulia accueille une plateforme modulaire baptisée Giorgio, une technologie développée chez Maserati qui prend le contre-pied de marques concurrentes qui préfèrent passer de la propulsion à la traction. C'est un régal. La répartition des masses est parfaite. 50-50. Harald Wester, le patron d'Alfa Romeo, a déclaré vouloir explorer des territoires nouveaux pour la marque et faire table rase du présent pour retourner vers l'Alfa Romeo que les gens admiraient. Ce qu'Alfa Romeo nous dit en gros, c'est ni plus ni moins, prenez-nous au sérieux. Nos nouvelles voitures sont légères et propulsion comme celles des années 60, mais avec la modernité des voitures des années 2010. Ce qu'Alfa Romeo nous dit aussi, c'est « Nos voitures sont peut-être le produit de savantes études marketing produites par de jeunes ronds cuir, mais ces voitures, elles ne tricheront pas avec vos envies. » Si envie rime avec simplicité, on sera d'accord. Tout semble simple dans cette voiture. Elle fait mieux que de proposer un compromis entre agrément et sécurité. Elle est un vrai équilibre entre les deux. On est rassuré par une propulsion qui offre de belles sensations tout en restant sécurisante. Alors il semble bien qu'Alfa Romeo va remporter son pari.